votre spectre. Et vous, disons simplement que vous sortez d'une longue noire. Vous verrez que le monde a beaucoup changé depuis votre époque. C'est trop dangereux ici. Ils vont me réduire en miettes. Je dois vous ramener à la cité. Ne bougez pas! Tout va bien. Je suis toujours avec vous. Nous devons partir. Vite! Bonjour à tous. Alors, je sais ce que certains vont dire. Enfin, bref. Quarantaine désormais, et assez dangereux. Mais le seul moyen d'avancer est de traverser ce mur. Comment j'en suis arrivé ici? Je cherchais depuis quelques jours un jeu qui pourrait se rapprocher de Halo. Halo qui est pour moi, en termes de multijoueur, en termes de gameplay. Eh, manette déconnectée, putain, les aléas du direct. Ne bougez pas. Je disais donc, Halo qui pour moi, en termes de gameplay, est quand même au-dessus de tout. Et je me suis souvenu que je kiffais Destiny pour son multi. Bon, le 2 côté histoire, chien de merde, cette vidéo va le finir. Pardon. Vous connaissez ma franchise, je ne couperai pas. Donc oui, je me demandais du coup qu'est-ce qui pourrait me rapprocher d'un Halo en termes de gameplay. Je me suis souvenu que Destiny s'y rapprochait énormément. Car Destiny, c'est Halo. Voilà. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Dans 2 jours, c'est vacances. Je vais vous préparer des petites vidéos en avance. Là, je vais vous préparer... si j'accepte une vidéo avec Quid et mon frangin pour, sur du Back 4 Blood. Donc vous allez avoir mon frangin en vidéo pour une première fois. Ça peut être sympa. Putain, je me rappellerai toujours quel point c'est magnifique quand même. Les lumières, les graphismes. Non, attention, tout est beau. Ils sont tout autour de nous. Je crois que c'est la musique qui... faut que je baisse. Attends. Vieux système militaire, ok ? Fil dénudé et rouille. Voilà. Okay. Quand j'appuie sur le bouton, attendez-vous à des ennuis. Mauvaise nouvelle. Ils sont vraiment furieux de nous voir. Ah ouais ? Pas ça, ouais. Attrapez-le ! Il me pousse pas ? Oh, le vieux. Il y a une raison pour MP. Laquelle je vous ai ramené à la vie, gardien. Je trouve belle gueule, moi, les armes, quand ils ont foutu de ce genre d'armes. Alors, tenez-vous prêts, car nous sommes en territoire ennemi. Mais tout était beau dedans, là, le... Non, je suis désolé, tout était magnifique. Il a lagué, je crois, lui. Alors, bah j'en suis qu'au début en fait, hein, parce que quand vous reprenez Destiny 2 pour la version gratuite, oui, pour ceux qui le souhaitent, Destiny 2 est gratuit, quasiment dans son intégralité à part quelques petits DLC, mais tout jeu principal lui est gratuit, donc le multijoueur, la classe d'armes, les lumières, ramassant les restes de l'humanité. Une glissade. En parlant de pirates, voilà une cage de butin. Regardons ce qu'elle contient. Ah ouais, tiens. Un flingue, pourquoi pas. Ah. Chier. Je peux pas enlever le viseur, dégueulasse. Non. Tant pis. Ah, c'est un... pompe! Putain, je pensais que c'était un petit pistolet. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a du halo, hein, le viseur, le pompe.
Putain, par contre, le recul. Je tire une fois, je suis au plafond. Vache. Dude. Ah, j'ai oublié. C'est quoi les compétences que j'ai déjà? Ok. Ok. J'aime pas ces compétences. Je crois qu'on peut les changer dans le... je sais plus. Parce que là j'en ai un troisième, mais je sais plus c'est quoi. Je vais regarder ça parce que là ça me... Sentinelle, la frappe au sol non dévastatrice, laser, une zone qui inflige des dégâts, non. Utilisez la garde avec le bouclier de sentinelle pour créer un mur défensif, les alliés tirent à travers, ok. Invoquer la masse, ok, ça c'est mieux. Lorsque vous êtes en l'air, sautez pour activer un vol catapulté en renforçant grandement votre élan initial, ok. Créer une grande barrière qui permet de renforcer votre position pour une couverture. Oui, il est bien. Grenade incendiaire, je préfère. Alors, soleil invaincu, une frag de compétence. Lancer un marteau à distance, ramasser après lancer, recharge entièrement de compétence. Ah d'accord, ok, ça c'est bien. Bûcheron détonnant. Regardez ça. Pardon pour cette interruption. Continuez à avancer. Non mais regardez-moi ça, des lumières. Putain, c'était fou. Vers la maison. Je suis désolé, c'était fou à l'époque. Enfin, à l'époque, c'est pas si vieux que ça encore, mais. Ah, j'ai cru que finalement il s'appelait Mozart. Attention. Un commando de déchu. La situation se complique encore. Qu'est-ce que? Ok. Ok, tiens dans les pattes. Toujours un mec qui a la haine qui vient nous emmerder. Continuez à vous battre. Je cherche des vaisseaux dans le coin. Coup de marteau dans sa gueule. Je crois que quand ils ont un rond, c'est qu'on peut les exec. Si je me rappelle bien. C'est ça. On peut taper la meilleure des execs. Alors eux, je sais pas ce qu'ils me veulent, mais... je vais me faire canner. Je sais pas ce que c'est. Ouais, bravo les gars, c'est super. L'avant-garde, ils viennent de la dernière cité. Où vous voulez pas d'aide, mais... nous pouvons vous aider. De toute façon, dans ce jeu, t'as pas le choix. Si vous entendez ça, rendez-vous aux coordonnées suivantes. Quelque chose crée des interférences. Et en fait, si vous pouvez aller je faire des missions... entendu, mais j'ai repéré sa position. Seul, mais c'est vraiment quand même un jeu.
public. Il n'y avait pas un truc dans le coin ? Gardien, nous devons y aller. Ouais, bah le gardien, il... Quoi, il y en a encore un qui arrive ? Ah oui, je crois que c'est infini, bon, on se casse. Ça sert à rien. Je vais prendre plutôt le low maniabilité parce que ça, ça te fait décoller trop haut. Regarde-moi ça ! Ouais, je vais prendre le truc maniabilité. Tac, personnalisé. On peut pas y aller là-dedans ? Non. Bien sûr qu'on peut pas y aller. Bien sûr qu'on ne peut point y aller. N'empêche, je suis en train de penser là, quand on regarde le viseur, ouais, c'est clairement long. Ça, c'est typiquement typiquement propre à Halo. On va faire une game en multi, tiens. Ah, loué soit la lumière. J'ignorais qu'il y avait des gardiens en patrouille ici. Écoutez, mon escouade a disparu. J'ai besoin de renforts. Et... Ah... Vous sortez à peine d'une tombe, c'est ça ? Nous avons entendu votre appel. Nous venons vous aider. Du courage ? J'aime. C'est un vrai défi pour votre premier jour. Analyser le périmètre à la va-vite était une mauvaise idée. Et je dois trouver mon équipe avant qu'il ne reste rien à trouver. Il a bien son armure. Je vous ramène à la cité après. Je suis arrivé là. Laissez-moi vous aider. Je vois. Personne n'aime être mis sur la touche. Les gardiens sont plus forts ensemble, non ? On croirait le commandant Zavala. Très bien. Rechargez. Ça va swinguer. Mais suivez mes instructions, et on s'en sortira. Nous ne vous laisserons pas tomber. D'accord. Suivez mon signal. Toi, tu disparais comme ça. Comme ça, là. Comme une vieille traînée de paix. Pourquoi pas? On est sur un multi, tiens. Ça fait un bout. Alors, nouvel objectif, équipez-vous. Il y a une arme dans ce casier. Elle devrait être mieux que la vôtre. Prenez-la et venez me rejoindre. Ouais, ok. Là, s'il y a un PP, je prends. Un PP. Je chercherai des signaux depuis mon vaisseau interstellaire. J'ai besoin de vous pour la confirmation visuelle. C'est un peu une ambiance russe quand même là. Qu'on ira faire du multi aujourd'hui. Les analyses sont inutiles. Il va peut-être falloir le faire à l'ancienne. Analyse en cours. J'ai une source d'interférence. Allons voir ça. Trouver la source. Faites descendre les déchus de ce truc.
pépé. Tiens. Approchez-moi de cette antenne. Coucou, je te... Tu peux pas le faire, tu peux pas voler. La technologie volée à la cité a été mise en place ici. C'est ce qui brouille nos analyses. Les déchus ne peuvent pas s'empêcher de bidouiller de la ferraille. Ils sont doués. C'est quand même... J'ai besoin d'une minute pour m'en occuper. Avancé, je trouve, comme je... Quand il est sorti la première fois, enfin, je parle du Destiny 1. Retenez-les pendant que je travaille là-dessus. Un RPG monde ouvert. Ce qui est bien, c'est que tu peux aller partout facilement, tu vois. Avec le jeu. Il fait ça comme elle a récré. Et où ? Tiens. Oh, dès qu'ils arrivent. Boum ! Peut-être. Non mais... On va pas assez s'emmerder, où ça ? Signal rétabli. Bon sang. Les signaux des squads manquent, et les dernières positions connues sont loin les unes des autres. Ok. Les choses ont dû dégénérer pour les forcer à se séparer. Je cherche Cass, trouvez Maeve. Je vous envoie les coordonnées. C'est vachement loin. Oui. Bim. Dans ta truffe. Les mythes racontent que les déchus vivaient autrefois dans la grâce du voyageur. Mais quelque chose est arrivé. Le voyageur les a abandonnés et cela a entraîné la ruine de leur civilisation. Ils okay. sont venus jusqu'ici à la poursuite de ce qu'ils avaient perdu, dans l'espoir de le reprendre, ou de nous le voler. Ok. Mais c'est juste super long en fait. Voilà. Moi qui me disais c'est juste super long, ben, en fait non. Tiens. Ouf. Y a pas moyen d'aller plus vite sur ce machin? Non, parce que là, franchement... Je fais quoi? Je balance un truc, hein? Que les déchus veulent nous empêcher d'entrer. Ou empêcher quelque chose de sortir. Il y a pire que les rebuts déchus dans l'ancienne Russie. Allons voir. Ah, je savais bien que c'était russe. C'est verrouillé par un code adaptatif. Il nous faudra des clés d'accès pour le contourner. Les pilleurs déchus en ont peut-être. T'aurais pas pu me le dire plus tôt? Tiens, ouf! C'est lequel, celui-là là-bas? C'est qui? C'est Christian? Dans les couilles! Oui! Bla. Bim. Allez, bim, bam.
Et vous, pour finir. Coup de poing dans tes dents, toi. Ah. Ok. Voilà une clé. Il en faut encore deux. Ok. Une autre clé. Bon, cette fois-ci, je perds pas tomber sur le truc, j'ai plus de masse. Oh quoi, j'en ai encore une toute petite. Bim. Bam. Boum. Le marteau il a fait ping. Où ça? Encore? Il abuse. T'es meuf. Surpris, lui. Il est où? Il y en a un autre. Ah. Boum. Il est où, lui? Ah, Tibère. Prends la coucouille. Je tape une barre tout seul. Nous avons toutes les clés nécessaires. Je devrais pouvoir m'occuper du code maintenant. Putain, et j'ai quand même hâte là de remettre la main sur les 4 Dead. Back 4 Blood. Pardon. Les 4 Dead, hein, tout le monde a compris, c'est la suite. Suite qui d'ailleurs, en ayant parlé avec des personnes, et en fait direct, c'est parce qu'en fait les infectés ont muté. Il y a eu des mutations, donc les boomers sont devenus encore plus explosifs et agressifs pour se défendre justement face aux humains. Donc c'est un virus qui les a fait muter. Je vous en parlerai dans la vidéo. N'empêche, ils ont les armures les plus savonneuses. Même dans les graveurs, regardez. Hop là. Vous aviez raison à propos de la barrière. Les déchus maintenaient la ruche à distance. Dans ce cas, Maëv court un danger bien plus grand que je le pensais. Vous devez faire vite. Vous devez faire Vex. Non. C'est pas ça la blague. Petit. Une surcharge d'énergie cryoélectrique. Je ne sais pas ce qui la provoque, mais même la téléportation ne passe plus maintenant. Oh, cette ambiance sombre, j'ai toujours adoré une réalisme. Contact avec la ruche. Né là, petite abeille. Ah, il passe à travers carrément. Oh, les péteux. Mes péteux. Ah. Ténèbres étouffent ma lumière.
Gardien, je ne peux pas vous ramener si vous mourrez là. Ok. Martin, ta gueule! J'ai un coup de stonk! La puissance du stonk! Stonk Industrie! Le signal de Maeve est droit devant. Ah, j'aurais peut-être dû le garder. Il y a une prêtresse. J'aurais peut-être dû le garder. Il reste peut-être la lumière dans son spectre. Non! Cho, pardonne-nous. Nous sommes arrivés trop tard. Moi aussi. Cass. J'ai pas pu l'atteindre à temps. Il y avait une prêtresse de la ruche. Très puissante. Nous avons essayé. Ce n'est pas de votre faute. Ok. Vous avez fait de votre mieux. Nous avons la dépouille du spectre de Bonne dégueulasse. Paf, une belle montée. Apprécié. Vous devriez... rentrer au camp avant que la prêtresse revienne. Ben voilà, fin de mission. Pour les... Lala. Parlez à Shohan. Ce qui concerne la vidéo multi, bah du coup, on la fera plus tard. Je pense que ça sera une des vidéos que je vais poster pendant mes vacances. Mais en attendant... mes enfants, mes vikings, je vais vous dire... à la prochaine. Comment dire, je vais vous dire à la prochaine. Je pars en vacances dans plein temps, donc les vidéos ça sera tourné sur le moment mais posté plus tard. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, passez une agréable moment. Allez hop, salut à tous les vikings, skoll.